La petite maison se dressait non loin des remparts qui seraient construits pendant la guerre de Cent Ans. Pas bien grande sous son toit gris. Une bûche rougeoyant dans l'âtre, une échelle de meunier menant au comble. Croyez-le ou non, cette maison avait une âme au cœur de ses pierres sombres. Une âme qui s'insurgeait contre la violence du monde.